Ah, on est rendu à faire le temps. La tempête qui paralyse le village vient de là. Mais comment l'arrêter? Ça fait comme un sanctuaire. Impossible de l'ouvrir, mais je suis sûr que ce qui cause la tempête est dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ouvrir? C'est encore ce son. Mon cher descendant, l'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvrira. Suis mes instructions. C'était beaucoup plus clair cette fois, cette me parlait. Je suis sûr que la cause de la tempête qui paralyse notre village est sous cette. À en croire cette voie, l'écoutille s'ouvrira si nous activons les 5 mécanismes qui contrôlent les verrous. Moi, cette voix, j'ai envie de lui faire confiance. On y est presque trouvé dans ses mécanismes. Je suis triste de perdre ça. J'espère qu'il n'a pas brûlé, mais... On va aller faire le premier qui est à l'autre côté. On va aller chercher pareil. Ok, laser shot, ce kid-là. The badass. Link. Ce mécanisme en forme de moulin pourrait contrôler un des verrous, non? Oui, monsieur. Huh?
Je pense par là-dessus. Côté, fait que ça serait là, faut la clé. C'est pour ça la glace. Mettre de ce côté-là. Il fait qu'on a une chose à passer de l'autre côté. Pas celle porte là, que je regarde, mais pas les autres enfants. Ha ha ha.
ça là. J'ai besoin d'un shit d'épée. Je pourrais prendre ça, mais non. Chercher. Salut Pastèque, excuse. Merci pour le follow Pastèque, c'est vraiment apprécié. C'est mon premier vrai follow. Il est pas un follow pour follow, mais faut que je change mon message d'entrée. Bienvenue dans les Jokers, c'est vraiment apprécié. Ça en attendant. Plus tranquillement, mais j'aurais pu utiliser le pouvoir de gap. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'adore vraiment le jeu, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sorties de jeu qui s'est passé entre temps. J'ai comme 20 heures de jeu, puis j'ai après rien fait, j'ai même pas fini encore le premier donjon. Toi, tu trouves comment le jeu que t'es rendu? Ouh, ben, tu peux commencer par la première question. Ça va mieux aller comme ça. Je vais prendre l'autre pour taper une petite affaire en bois. Je l'aime plus que Breath of the Wild. J'aime vraiment plus. Parce que il est tombé dans une période de jeu que j'apprécie vraiment.
pas une affaire d'avant. Non, attends, c'est pas le jeu. Continue toi. Ah, oh, c'est vrai, il faut la faire devant. Attends, je vais prendre ça. Voilà. Je le préfère vraiment plus qu'au premier. Il y a plus de choses à faire pour l'instant. Ça, ça va bouger probablement. On va prendre celle-là. Ah non, celle-là. Non. Celle-là. J'apprécie vraiment le fait que c'était mon premier vrai follow. Et pas un follow pour follow. Ça fait vraiment cool. Ah, je vais prendre ça. Juste ce qui vient d'ici, là. Mon froid de perte. Et en plus, j'ai essayé de vraiment regarder aucune vidéo, ni de live, ni peut-être pour me faire spoiler, ni peu importe. Plus que deux, Link. On y est presque. Ça, c'est fait. Non, je me suis trompé tout le temps. Ok, avec mon bâton, je vais faire une arme. Avec l'autre, on va faire la carte de puissance, fait qu'elle sera pas très bonne de toute façon. Merci. Pas de temps meilleur. Ouais, il y a vraiment plein de quêtes. Vraiment plus que qu'est-ce que moi je pensais. On en voit le goût. Est-ce que je peux sauvegarder? Le prochain est où? Fait qu'il y a le dernier étage en bas. Comment qu'on s'y rend? Hmm.
Même étonné là-dessus, aucun laser là-dessus. Est-ce que t'as fini les jeux? J'en sais rien du tout, ça a l'air. C'est côté là. Ouais. C'est qu'est-ce qu'il y a de ce côté là? De rien. Au deuxième temps, t'as combien d'heures de jouer? On va essayer quelque chose. Déjà pas de celle-là. Il n'y avait rien de ce côté-là. Ce côté-là est déjà tout le temps. C'est fait que là, on est au premier. Faut se rendre un étage plus bas. Deux heures. Ok, c'est clair que je vais avoir pas le même problème, mais la même chose que toi. Pourquoi tu viens pas ici? Ouais, c'est comme ça. Ah, je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné, mais on va attendre. On a juste à attendre en ce moment. Je sens qu'on va être dans la même situation. Mais j'essaie. C'est parce que le problème, c'est que j'ai pas hâte de l'avoir fini. Fait que j'essaie de. Tout en live, de pas trop jouer. Parce que je veux pas le finir rapidement. Je veux qu'il me dure vraiment longtemps. Puis j'aime vraiment l'aventure. Parce que je sais que je pourrais faire comme marathon. Une dizaine de jours de live, puis de le finir. Pouvoir ouvrir l'écoutille sur le pont. Allons-y. Tellement dans l'inconnu. C'est sûrement des flèches qu'il va y avoir là-dedans. Ça a l'air d'être un boss de flèches. Oh, c'est bon.
pouvoir monter. Cherchais l'arche. Merci beaucoup, t'es vraiment bienvenu n'importe quand dans le live. Oh, il voulait le fighter. T'es bienvenu n'importe quand. Bonne journée à toi, pastèque. J'avais pas la bombe. On va essayer comme ça. Non, faut changer d'arc, c'est ça le problème. J'attends ça qu'il m'attaque pas. Le revoilà qui arrive pas en dessous!
shit! J'ai pas là. Let's go! Non, j'aurais pu le péter! Un nouveau cœur, let's go! Mes yeux.
Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre? Et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèche par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh ! Mais c'est une super nouvelle, ça ! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir ! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire.
Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Quand même badass. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babi, le sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. C'était vraiment cool, c'est quand même badass, le boss était le fun. Ça, c'était vraiment cool. Même le temple était super simple, super cool. C'est un excellent premier temple. Oh. Bravo à tous les deux, vous avez réussi. On a bien coopéré. Coopérer, ça aurait pu être possible autrement. Mm-hmm. C'était un exploit, c'était certain. Quant à moi, j'ai trouvé extraordinaire que l'arche leste de notre contine pour enfin exister pour de vrai. Ouais, hein? Ouais, hein? Pareil, j'arrivais pas à croire mes yeux. Je te félicite, Babil. Oh. Merde, tu me donnes ton arc, papa. Mais tu y tiens tellement, tu voulais même pas que j'y touche. Mm-hmm. J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Waouh! Waouh! Merci. Hmm.
Il est quand même un bon très digne. Mais dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblerait drôlement à la... qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame de la vision. Je me demande si c'était elle pour de vrai. Mais bon, c'est pas trop possible, ça s'est passé il y a trop longtemps. Mais il faudrait qu'on en apprenne un peu plus pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vue sur l'Arche Céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite, alors oublie pas de revenir, d'accord? Oui. De toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à t'écouter. Terme de Babil, sage du vent. Temple du vent, il était vraiment cool. Ce témoignage du serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil. Babil, du village, bienvenue.